Hommage. Hommage à ces êtres condamnés au silence. Hommage à ces femmes de souffrance. Hommage à ces enfants ignorant leur père. Hommage à cette maman, ma mère. Hommage à ces guerriers ayant connu la mort. Hommage à ces enfants de remords. Hommage à ces écrivains de combat. Hommage à ces révolutionnaires de débat. Hommage à ces jeunes de responsabilité. Hommage à ces rencontres de qualité. Hommage à cette femme d'Ifuta, femme digne. Hommage à ces mamans qui ont tracé la ligne. Hommage à ces soldats qui donnent la vie. Hommage à cette vie qui ne sera qu'un oubli. Hommage à ces comédiens qui guérissent. Hommage aux croyants qui dénoncent les fétiches. Hommage à ces ethnies de culture. Hommage à ces intellectuels d'ouverture. Hommage à ces patriotes qui prônent le retour. Hommage à ces prisonniers espérant un détour. Hommage à ces divisions soudées. Hommage à ces couples fédérés. Hommage à ces amoureux de toute une histoire. Hommage à ces amitiés depuis la préhistoire. Hommage à ces tenants d'un monde meilleur. Hommage à ceux qui traversent des malheurs. Hommage à tous ceux qui ont perdu une larme. Hommage à nos parents ayant l'endu l'âme. Hommage à ces êtres dormant le ventre vide. Hommage à ces enfants cherchant la béatitude. Hommage à cette femme ne pouvant sourire. Hommage à ceux qui souffrent pour faire rire. Hommage à cet homme ayant perdu l'œil. Hommage à ces êtres disparus dans leur sommeil. Hommage à cet étudiant conscient de ses droits. Hommage à cette masse d'étudiants en fait droit. Hommage à ces talibés maniant pour vivre. Hommage à ceux qui combattent pour survivre. Hommage à cette femme de religion au voile. Hommage à ces opprimés visant les étoiles. Hommage à ces naufragés du Djola. Hommage à ces amis qui seront toujours là. Hommage à ce lecteur conscient qui visionne. Hommage à cette couleur exploitée mais qui pardonne. Je m'appelle Alassane Koumé, étudiant, écrivain. Un éternel optimiste, c'est un assortiment de sujets qui me sont très chers. Donc j'ai écrit les sujets en fonction de mon expérience que j'ai eue dans la région de Matam. Plus précisément en tant qu'étudiant, souvent il m'arrive d'avoir cette passion d'écrire. C'est ça qui a fait que j'ai commencé à écrire depuis 2015, quand j'ai obtenu mon baccalauréat. Et au fil des années, j'ai modifié des textes, des poèmes, je les modifiais. C'est ça qui a fait qu'en 2022, donc j'ai eu l'aval de l'Armaton Sénégal pour publier ce recueil qu'on intitulait « Un éternel optimiste ». Éternel optimiste, ça renvoie en fait à, comme l'image l'illustre, c'est-à-dire à une personne qui est toujours positive. Donc souvent dans mes textes, je dégage une certaine positivité pour montrer en fait que la poésie ne doit plus être là où ce regard, là où on reste là à faire l'éloge de la nature ou bien des personnes. Mais dans le livre On est optimiste, donc ça permet aux gens de lire et de voyager dans leur conscience sans pour autant avoir des pensées dogmatiques ou bien des pensées figées. Mais un éternel optimiste permet au lecteur de voyager dans sa propre conscience. Et il y a beaucoup de thèmes en fait, parce que quand vous voyez le livre, ça fait 130 pages. Et il y a beaucoup de thèmes, comme par exemple, je parle du Sénégal de mes rêves, là où j'illustre un peu les événements de mars, et j'essaie un peu de mettre en exergue quelle est ma vision du Sénégal et comment je trouve le Sénégal. Et au-delà de ça, il y a des thèmes comme le silence par exemple. Souvent, dans les moyens de communication, beaucoup de gens pensent que le silence n'est pas un outil de vecteur de connaissance, ou bien de communication, ou bien d'information. Mais dans le livre « Un éternel optimiste », il y a beaucoup de thèmes, je pense, qui pourront permettre aux gens de s'imprégner, de comprendre, aussi de savoir la véritable source d'inspiration qui m'a permis d'écrire ces poèmes. Parce que souvent, il y a des poèmes que je l'ai écrit de manière très différente. Il y a des poèmes que j'ai écrits à Dakar, d'autres. La plupart, ce sont des thèmes inspirés de ma famille, de ma contrée, Matam, plus précisément à Boukidjéré.